Si j'ai dit changer pour devenir ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire changer pour devenir comme Dieu. Et la marche chrétienne doit avoir comme point final ressembler parfaitement à Jésus. En d'autres termes, chrétien, yokanga, toyaka n'église te nanu pona libala. Amen. Toyaka n'église te nanu pona misala. Amen. Toyaka n'église te nanu pona ba besoin na biso ase a moyi. Amen. Que besoin numéro 1 y a biso encore en église et ça to yoka mateya pour na mateya wana comme ça biso lokola Yesu. Amen. Ce que on lingi ngote oyebi na nu Yesu te. Amen. Les lo mateya nyonso na ba église ça kaka okobala okozwa musala eza mabete me ya yambo eza to ba yekolisa biso nenge nini to kokana na Yesu. Amen. Et ça te toyemba, je vais être comme Jésus. Non. Comment les devenir? C'est simple. Est-ce qu'on s'entend? Pourquoi je viens à l'église? Pour apprendre à devenir comme Jésus. Dis-le à ton voisin. Je viens à l'église. Pour apprendre à devenir comme Jésus. La CSM est un atelier pour me façonner, pour me donner la forme, la forme de Jésus. Pourquoi je viens à l'église? Réponds à ton, pose des questions à ton voisin. Il faut que ça reste. Donne-lui la réponse. Donne-lui la question à Lingala et la réponse à Lingala. Papa, toi, donne la question à Lingala et la réponse à Lingala. Pose la question à ton voisin. Nalingala. Alors, Pesaye Yano. Oyaka na eklesia. Nayaka. Nayaka na eklesia. Pona koyeko la kokoma lokola Yesu. Nayaka na eklesia. Pona koyeko la kokoma lokola Yesu. Ma poser yo question. Hier, Pesaye Yano. Nayaka na eklesia. Ngai nayaka na eklesia. Pona koyeko la kokoma lokola Yesu. Pesaye Yano. On reprend. Pona nini oyaka na CSM. Encore. Pona nini oyaka na CSM. Pona nini oyaka na CSM. Na yaka koyeko la kokoma lokola Yesu. Na yaka koyeko la kokoma lokola Yesu. Mozindo. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que c'est resté dans votre tête? Et tika na mituna biso de malo. Dites-le aux autres chrétiens. Nala kina na l'église na biso pa ba prophétie ça. Parce que quand tu na Yesu prophétie ça. Le plus important, ce n'est pas la prophétie. C'est que le caractère de Christ s'imprime sur toi. Le reste sera facile. Ne viens pas à l'église. Si Dieu a permis que la peur de sorcier t'amène à l'église, maintenant sache que tu n'es plus à l'église parce que tu as peur de sorcier. Tu es à l'église pour devenir comme Jésus. Si c'est le célibat qui t'a amené à l'église, il n'y a pas de problème. C'est le moyen que Dieu a utilisé. Maintenant que tu es à l'église, ton problème n'est plus le célibat, c'est d'être façonné comme Jésus. Si c'est le chômage qui t'a amené à l'église, c'est le moyen que Dieu a utilisé maintenant. Alléluia. Amen. 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 Pour la nuit, il y aura une église. Nayaka na eklesia pona yekola kokukana na Yesu. Pona nini oyaka na eglise? Maintenant la question, pourquoi les gens changent d'église? Parce qu'on ne leur a pas dit qu'à l'église, ce n'est pas d'abord mariage. À l'église, ce n'est pas d'abord l'argent. À l'église, ce n'est pas d'abord visa. À l'église, c'est ressembler à Jésus. Et l'eau comme tout ya, et ça, qu'on a Yesu.
Et nous, à la grâce, on nous avait dit, nous sommes comme dans un atelier. On est en train de vous façonner. Maintenant, quand tu sors dans le monde, on commence à voir ta main là qui prenait tout. Ça commence à ressembler à Jésus. Ton pied qui allait partout n'est pas plus partout. Après demain, tes yeux qui regardaient n'importe où ne regardent plus n'importe où. C'est progressif. Mais si toi tu ne t'attends pas à ça, ah, en église, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais je forme les gens pour devenir comme Jésus. Ceux qui vont participer à l'enlèvement et qui vont contribuer à la vie sur la terre. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous avons été créés pour ressembler à Dieu. La Bible dit dans ma version, faisons-les refléter notre nature. Non, refléter. Ma version dit, faisons-le refléter notre nature.